all three of them. Eh bien salut à tous, on est aujourd'hui sur du Sniper Elite Nazi Zombie 2 et on va se faire le Purgatoire qui est donc la toute première mission de ce jeu. Alors attendez, je vais prendre le SVT-40, voilà, c'est un sniper semi-automatique que j'aime beaucoup. Le Thompson, le Colt, et des grenades, mines, tout ça. C'est parti. Alors je le fais en mode solo, je le fais pas en mode multi parce que franchement il y a beaucoup de rage kit en mode multi ou bien il y a des gars qui veulent le rush absolument, qui foncent à la mitraillette et les autres n'ont le temps de rien faire, c'est assez pénible. Et je le fais aussi en solo pour les kill cam. Franchement ce jeu j'aime voir des kill cam, j'aime surtout voir des kill cam où on voit l'intérieur des corps et malheureusement il l'a pas en multi, on l'a que en solo. Alors je l'ai mis en mode de difficulté moyen, j'avais testé pour vous le faire en mode de difficulté difficile. Franchement je galère à un endroit que je vous nommerai donc dans cette carte. C'est vachement chaud, franchement. Toi tu veux pas mourir. Ah là, petite balle de Colt et ça rentre dans l'ordre. Alors là-bas, bon, je l'ai pas eu, il était un peu trop loin. Et toi, salut. Voilà, on commence le premier kill cam, bim. Au-dessus de ton crâne. Alors, tiens, ils arrivent par là, par la mer. Alors, j'ai déjà fait, donc, comme vous pouvez l'imaginer, cette carte en multi. Première fois que je la solote, en mode normal, donc. Voilà, toi, tu vas manger ça aussi. Voilà ce que j'adore. Voilà, c'est trop bon, ça. Bon alors justement ça met beaucoup plus de temps hein, qu'on fait des kill cam, la vidéo est plus longue parce que voilà il y a tous ces ralentis. Certaines personnes n'aiment pas, moi j'aime bien, je fais une vidéo comme ça, si ça plaît pas bah, je suis désolé, si ça plaît tant mieux. Et voilà, allez je vais y aller, j'espère vous la finir sans mourir au moins une fois. J'étais arrivé quand même assez loin en tout seul. Mais bon, je suis mort. Pour ceux qui connaissent, je suis mort vraiment quand on se solote le cimetière. Alors, toi, bonjour, je t'avais pas vu tout à l'heure. Alors, je regarde tout le temps derrière hein, parce que chaque fois il y en a qui arrivent à mon cul. Ouh là là, ça t'a eu mal hein, mon coco, t'as perdu un bout de mâchoire, j'ai l'impression. Hop. Alors, c'était la première fois aussi que je voyais la cinématique du départ avec Hitler, elle est vraiment bien marrante. Et donc comme vous pouvez constater, hein, il faut avoir les trois reliques pour que l'armée des zombies disparaisse de la surface de la Terre. Et voilà, donc on est à la poursuite. La balle elle va traverser le... Ah non, je croyais qu'elle traverserait le deuxième zombie, mais non. Ou toi tu veux pas mourir, mais là, c'est bon. Voilà. Alors, il est où ton cousin? Il est là-bas. Il veut pas mourir non plus. Il bouge assez vite. Ouais, je crois que ça va être la foire au kill cam. Tout. Dans la narine. Désolé, mon petit loulou. Hein, j'ai pas fait exprès. Mais voilà. Alors, on enchaîne. Hein, on enchaîne. Ouh, back. Dégueu. C'est dégueu, mais c'était le moment. Bon, alors, il va se ressusciter, lui. Personne derrière. Bah non, il s'est pas ressuscité, je croyais. Hop. Ah, je suis désolé, hein. Je visais beaucoup la tête, parce que bon, j'économise aussi les balles. Si vous tirez dans la tête, il meurt du premier coup. Sauf ceux qui portent des masques, il y a tendance à ce que ça ricoche sur leur masque. Ou même les casques, hein, des fois, ça m'est arrivé. Mais bon, c'est très rare, les casques... Alors je me souviens plus trop.
trouve. D'accord, ouais, c'est là. Bonjour tout le monde. Hop, une petite grenade. Toi là-bas. Voilà. On fait le ménage. Ah, t'as perdu une dent. Si, si, je te jure. Voilà. Toi, t'es mort, ouais, tant mieux. Bon, y a plus personne. Je regarde aussi par la flotte, hein. Ils arrivent par là aussi. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, il y en a encore deux, là. Bonjour. Alors, attendez, je vais prendre mon petit sniper. Je vais vous la mettre. Peut-être j'ai tiré dans la tête du premier. Ça fait sauter le casque du deuxième. Non, mais... Alors, celle-là, elle est pas mal du tout. Allez, on va récupérer un peu de mun. Voilà. Toi, on va se coucher. Ton cousin aussi, là. Voilà. Donc il faut que j'aille tout en haut là-bas. Faire vraiment attention aux cadavres qui sont à terre parce qu'ils se lèvent d'un coup, genre lui, vous voyez, hop. Alors lui, je me méfie, non, c'est bon. Ouh là, ça va être pas mal celle-là, j'ai l'impression. Et voilà, 2 points. Et toi, voilà, on va te finir en beauté aussi. Oh, ça gicle, ça gicle. Là-dedans, il y en a qui doivent sortir. Ouh, toi. Eh ben, tu meurs pas. Oh, vous d'abord, peut-être. Voilà, on va tout faire sauter. Ah, vous avez entendu le bruit, un tung. C'est que je crois que j'ai rebondi sur son casque, le deuxième. Et toi, tu meurs. Et voilà. Ton frère aussi. Mais c'est qui veut pas. Bon, il m'énerve. Voilà, point de contrôle atteint. Ça, c'est fait. Alors, dans ce frigo, qu'est-ce qu'il y a? Tada. Bon, des grenades et une tête. Là-dedans, il y a quoi? Il y a rien. Tiens, bonjour. Et ils attendent même plus. C'est la première fois que je le vois sortir, celui-là. Attendez, je prends un mitraillet dans les petits chemins comme ça. Ouais. Hop. Toi dégage. Toi aussi. Allez. Voilà. Il n'y en a pas qui arrivent par là. Non, c'est bon. Hop. Voilà, on va se coucher. Bon, il n'y en a plus dans les coins là. Non. Alors, je fais ça parce qu'en mode de difficulté très très dur. Qui est Sniper Elite, je crois. Là, je suis en... Je sais plus si c'est KD. En KD, c'est le premier. Non, je sais plus. Enfin, bref, en très très dur. Ils arrivent de partout. Ils sont cachés partout. Et ça s'arrête pas, franchement. C'est dur au niveau des munitions, des grenades, de tout. Et vous avez surtout les... des gros zombies avec des grosses mitraillettes. Un petit peu partout, alors que... Je sais pas en moyen s'il y en a, j'espère qu'on en verra un quand même. Bonjour toi, je me rappelle plus que t'étais là. Voilà. Alors, il n'y en a pas ici, d'habitude il y en a qui arrivent. Alors, toi. Ah ça y est, ils arrivent les loulous. Voilà. Alors par contre, je regarde un peu derrière. Voilà, c'était sûr qu'ils allaient arriver aussi par là. Il y en a que deux. Et ça change vraiment du difficulté Sniper Elite. Bonjour. Par là, il y en a plus donc. J'essaierai, je tenterai quand même de vous faire un autre niveau, mais je garantirai un autre niveau en Sniper Elite. Vous pourrez juger la difficulté par vous-même, ou bien je ferai peut-être avec des keys un niveau de difficulté Sniper Elite. Où on se met en difficulté x4, c'est-à-dire on n'est que 2, mais c'est comme si on était 4, donc ils nous mettent 4 fois plus de zombies. Alors on va monter là-haut. Bon, alors je regarde qu'il n'y en ait pas non plus qui arrive par en haut. Non, personne, par là non plus. Alors on va se faire le plein de mun, vite, vite, vite. Ici des munitions Thompson. Voilà, munitions sniper.
Alors, bonjour. Alors toi, je vais te la mettre où? Dans le poumon. Pouf. Oula, là-bas. Ouh, il y a du monde. Ça y est, c'est parti. Le siège commence. Voilà, la dernière balle. Elle est pour toi, mon coco. C'est gratuit. Toi, dégage aussi. Voilà, j'adore ce petit oui. Où la balle rentre dans le corps. Allez, dégage. Je veux pas que tu montes. Voilà. Ça, c'est chiant quand il monte. Au bout d'un moment, on est submergé. Au moins, avec les killcams aussi, je peux voir un peu le décor aux alentours. S'il y en a qui arrivent d'un côté ou d'un autre. Ou s'il y en a qui arrivent vraiment dans mon dos, comme là. J'aurais pu voir s'il y en avait qui montaient. Et il n'y avait personne. Alors, je vais. Ah! J'ai parlé trop vite. Je l'ai pas vu monter celui-là alors au ralenti. Toi tu veux pas mourir, dégage. Là j'en avais vu un, ouais. Ah putain. Il va monter aussi lui. Ouh, j'arrive pas à le tuer. Il m'énerve. Bon, il y en a encore qui arrivent par là. Bon, vous savez quoi? Voilà. On va tout faire péter. Même si j'en ai que deux, basta. Ils sont pas encore là. Bon, j'espère en avoir deux. Et deux, un. Non, peut-être pas traverser son pote. Ou dans sa jambe, à lui derrière. Non. Dommage. Bon. Ah, le voilà. Bonjour, monsieur. Hein, vous voulez pas mourir. Voilà, toi, tu crèves aussi. Bon, comme là j'en ai pas vu monter dans le ralenti. Ou dans ta tête. Ouf. Alors celle-là elle a fait épaule, bras, talon. Bon, personne qui monte. Qu'est-ce qui se passe là? Plus personne ou quoi? Par là? Non. Bonjour. Et d'où tu sors toi? Vas-y, dégage. Ok, ils sortent de par là les mecs. Sans prévenir. Il y en a derrière, je suis sûr. Ouais. À chaque fois, regardez derrière votre cul. Hein, parce que s'il y en a devant, il y en a forcément derrière. Voilà, vous avez vu, ça rebondit, ça ricochait. Ça ricochait sur son masque. Voilà. Dégage, dégage. Alors je suis bien là parce que j'ai les munitions juste à côté de moi, je suis vraiment tranquille. Allez, dégage-toi. Voilà. Ensuite, toi. Putain, ils arrivent pas de monter là. Je vais garder la mitraillette. Voilà. Voilà. Quand vous êtes submergé, hein, pensez à switch sur la mitraillette. Donc vous focalisez pas sur le sniper. Ou même le colt, hein, franchement, le colt je le trouve vraiment terrible. Vous mettez une balle dans la tête, le zombie a plus de tête. Hein. Bon, il n'y en a pas là derrière. Ici, il n'y en avait pas un, non. Waouh, vous êtes où les cocos? Par là? Non. Bon. Bon, bon, bon. Là, non, il n'y a plus personne dans la caserne. Par le feu non plus. Bon, je vais faire le plein là. Voilà. Bon. D'où est-ce qu'il... D'où est-ce qu'il hurle comme ça, ces petits cons là-bas. Oh, c'est toi là-bas. T'as le mec qui reste bloqué dans sa maison. Il voulait pas venir me voir lui. Bon, il y avait que toi. Ben voilà, le dernier trou du cul qui reste dans la maison, juste pour me faire chier, pour pas que je puisse continuer l'aventure. Alors, je crois qu'il y a un point de contrôle maintenant, ouais, voilà.
Ah, on va faire le plein. Grenade, mine, tout ça. Voilà, et ça va être donc là le cimetière où en difficulté Sniper Elite, c'est vraiment délicat. Hein. Déjà, vous rentrez. Alors, il est censé y avoir deux snipers zombies. Un là, un de l'autre côté. Hop, bah toi, tu vas pas me faire chier. Voilà, du premier coup. Et franchement, si vous tirez dessus en difficulté Sniper Elite, soit vous mourrez, soit vous êtes gravement blessé. Blessé aussi, oui. Soit vous êtes gravement blessé et franchement, la deuxième balle, elle vous tue. Donc il faut aller super vite pour les tuer. Alors, lui, il va se la prendre dans la tête, j'ai l'impression. Voilà, toi, tu m'as fait chier. Parfait. Et aussi, la vague de zombies ici. Elles font mal, franchement. Ça arrive par devant, par derrière, de tous les côtés, avec un gros en finale. Alors, je sais pas s'il y aura un gros, je vais poser un petit peu. Des mines antipersonnelles, des mines normales un peu partout. De la dynamite. Voilà, j'en mets un là. Ils arrivent de partout. Donc n'hésitez pas à en mettre tout partout dans le sous-sol. Je vous déconseille d'en mettre à l'étage parce que ça peut vous tuer. Ou bien une mine ou une dynamite vraiment en haut des escaliers contre le mur. Alors je vais en mettre aussi là. Comme ça. Voilà. Il me reste une dynamite. Ouais, j'ai plus que ça. Je vais pas la mettre en bas. Je vais la mettre là. Ah, je peux pas sur l'escalier. Donc là, juste ici. Voilà. Allez, c'est parti. Survivre au siège. Alors, je regarde derrière. Parce qu'ils vont arriver non seulement par là. Mais après, en phase 2, ils vont arriver par l'eau. La mer rouge qui est juste derrière moi. Bon, toi c'est fait, tu vas pas me faire chier. Ensuite, ton pote là. Voilà. Reste tranquille. Alors toi. Oh, tu m'énerves, toi. T'aurais dû te la prendre deux fois dans la tête là. Pouf dans le cœur. Ouh, monsieur, vous avez dû avoir mal. Et très très mal. Comme celle-là. Alors il faut faire attention aussi où vous les placez en difficulté Sniper Elite. Je vous conseille de ne pas les mettre en dessous de vous dans la maison. Sur le cimetière ou alors vraiment du côté de la mer qui est derrière. Enfin de la mer. Excusez-moi, du côté du petit ruisseau là-bas. Parce que sinon, si un zombie passe dessus sur une mine ou une mine antipersonnelle qui est en dessous de vous, vous risquez de mourir. Ou d'être gravement blessé, ce qui peut être très chiant parce que si un zombie derrière vous vient vous bouffer la gueule, quoi, vous êtes mort. Et c'est assez chiant. Ouais, donc je vous conseille de les placer au cimetière ou ruisseau. Bon. Allez, voilà, tu t'es pris la dernière balle. C'est ce que je voulais. Bon, je crois qu'on va pas tarder à être en phase 2 là. Ah, la petite musique qui commence. Voilà, toi, je te perfore ton petit cœur. Bon, je regarde. S'il y en a qui montent pas non plus par là. Ouh, d'où tu sors, toi? Voilà, tu dégages. Allez, par toi. Ah oui, vous allez voir aussi. Une petite surprise va arriver. Je vais vous montrer ce qui est aussi très très dur. En moyen, ça va peut-être être compliqué aussi. En difficile, franchement, vous voyez là déjà ça m'a fait des dégâts. Alors imaginez en difficulté Sniper Elite, c'est pire. Voilà, toi dégage. Non, il veut pas, il est pas mort. Oh, tant pis, tiens, ton cousin qui est au fond en plein moment où il y a l'orage. Hop là, je te casse en deux. Voilà, commence à arriver par là. C'est pas bon signe. Je vais essayer de pas trop me faire submerger, pardon. Je n'ai pas eu deux points là. Hop. Ah voilà la surprise que j'attendais. C'est pas vrai, il veut pas crever. Oh, je vais mourir, mais non, ça va. Heureusement que je me suis éloigné assez vite. Toi t'es mort, maintenant tu me mets en tout cas.
Les kamikazes, je déteste les kamikazes dans ce jeu. Dégage, dégage, dégage. Voilà, je vais commencer à être submergé des deux côtés maintenant. Oula, oh putain, un kamikaze qui arrivait dans mon cul. Alors en difficulté dure, j'étais mort là, c'est sûr. Voilà, une petite grenade, j'espère qu'elle va pas. Si, elle a fait péter 8 points frag quand même. Elle a fait péter ma dynamite, fait chier. Oui, il m'a bizarrement. Toi, tu vas crever. Voilà. Toi aussi. Putain de kamikaze. Allez, dégage. Toi, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Allez, barrez-vous. Ça a l'air d'être bientôt fini, ça s'est calmé un peu. Ce qui m'étonne beaucoup. Oula, 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 oula. Dégage, voilà. Toi, tu restes tranquille. Techniquement, je sais pas s'il va y avoir le boss. Normalement, il y a un gros. On va peut-être pas l'avoir. Là. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, toi. Toi. Allez. Voilà. Il n'y en a pas. Bonjour, monsieur. Lui, j'ai senti. Vas-y, dégage. Voilà. Par là, il n'y en a pas. Si, il y en a un. Bon. C'est comme vous voulez, les mecs, hein. Est-ce qu'il y a un gros? Non. Il n'y a plus que toi, là. Ah bah ouais, voilà, il n'y a plus que lui. Bon, on va sûrement en voir un quand même à la fin. Bon, ça va. En difficulté moyen, c'est... Ça passe. Ça passe assez facilement. Voilà. Alors, en fait, ça passe facilement. Enfin, ça peut être difficile pour certains, mais j'ai l'habitude de jouer en difficulté élevée avec des keys aussi. Donc, ça aide quand même. Alors là, il n'y en a pas qui arrivent, non. Bon. Alors, on se barre. Voilà. On va faire le plein. Grenade, des petites mines, un peu de tout. Vas-y, je suis chaud bouillant là. Je regarde, j'ai fait plein partout. Ouais. Alors, ici, ah oui, je vais les zapper ici. Je pensais que c'était déjà la fin, vous voyez. Mais non, les missions sont assez longues quand même. C'est assez agréable. En moyenne, les missions c'est entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Quand vous la faites à la cool, hein, sinon. C'est une bonne demi, c'est une petite demi-heure, on va dire. Allez, dégagez. Oh putain, ça arrive par là. Allez, dégage. Tu veux pas rester à terre, toi, hein. Allez, viens. Bonjour, salut. Alors, vous, vous êtes coincés, hein. Je sais pas s'ils peuvent péter la barrière, je pense pas. Mais je préfère rester là pour tous me les finir. C'est toujours plaisant. Des zombies qui peuvent pas vous tuer. De faire du tir au pigeon dessus. Salut. C'est où ton cousin? Bonjour. Bon. Allez, on y va. Oula. Oula. J'avais zappé des squelettes. Je déteste ça dans le jeu, les squelettes. C'est assez chiant. Faut obligatoirement viser les poumons, sinon ils crèvent pas. Enfin, les poumons, viser le... L'organe qui devient un peu bleu, hein, ouais, c'est les poumons, le cœur, voilà. Hop, oula, merde, d'où tu sors toi? Dégage. Ah, lui il veut pas. Hein. Il attend que je m'approche, voilà. Eh, mais il y a ton cousin là. Ah putain, je croyais que j'allais pas y arriver. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ouh! Ouh putain! Bonjour, bonjour, bonjour!
Alors c'est la première fois que je rentre là-dedans. D'habitude, je laisse les autres y aller. Et il y a des zombies qui popent devant. Je savais pas qu'il y avait des squelettes qui popaient à l'intérieur. Hein. Je vais entendre une petite voix. Bonjour monsieur, vous étiez collé au mur. Dégage. Bon, par là, il y a quoi, des mines? Non, non, pas non. Il y a juste un petit enculé de squelette. Voilà. Non, il n'y a rien du tout. Allez, on recharge un petit peu tout. Voilà. C'est quoi ça, des grenades? Ok, ici. Ah oui, voilà, c'est parti. Alors là, du tir au pigeon. Hein. On peut se déchaîner, ça fait du bien. Hop, allez, je vais péter le verrou. Voilà, une petite grenade. Ah, il y avait longtemps. Un petit kill cam, c'est parti. Quand on est... Allez, dégage. Il n'y en a pas qui arrivent par là, non. Une petite grenade. Ah bah même ceux devant, je croyais que ceux devant n'allaient pas mourir, mais si. Ouh, celle-là va toucher qui? Et bah toi, dans ton petit menton. Dégage, dégage. Bon, on va balancer une petite greu. Ouais, au but, hein, c'est pas vrai. Allez, tombe! Ça va, elle en a une quand même. Dégage, barre-toi. Voilà. Dès qu'il s'approche de vous, n'hésitez pas à switch. Hein. À switch sur la mitraillette ou le colt, parce que sinon il saute dessus d'un coup. Ouais, bonjour, des squelettes. Merde, c'est moi qui ai pété le calmeur ou il s'est ouvert tout seul? Bon. Je commence à être à court de mun de sniper. Voilà, on enchaîne les têtes là. Hein. C'est parti. Voilà, toi tu vas bien te la prendre aussi. Hop là, mon coco. J'adore les mentons là en ce moment. Merde, j'ai plus que 16 balles. Ah ouais, je me disais bien. Ça pue, j'ai lancé un peu trop. Bon, je vais reprendre des grenades ici. Voilà. Ah, ah. Est-ce qu'on va se faire du 2, 3 pour 1, quelque chose? Non, même pas. Ah, ça a pas touché ta sœur là qui est derrière. Bim. Allez, next. Hop, ouh, celle-là va faire mal aussi. Oula. J'en ai eu combien là? Quoi? C'est quoi ce bordel? J'en ai eu un aussi là-bas. D'accord. The bug. Et j'en ai eu que deux. Ok, tout ça pour deux. Ça marche. Dégage. Dégage. Putain, j'ai plus de balles. Merde. Bon. J'espère qu'il n'y a plus de grosses vagues là. On va reprendre. Ah voilà. J'ai de nouveau 20 balles. C'est déjà ça. Est-ce qu'il y en a encore là? Bah oui. Des squelettes. Objectif terminé. Nickel. Oula. Objectif terminé, mais on entend quand même des zombies. C'est assez flippant. Tout le temps la pression qu'il y en arrive derrière vous. Alors, ça c'est fait. Voilà, j'ai fait le plein un peu partout. Et ici, ouh, on va bien s'amuser ici, toi. Reste à terre. Ça va encore être du tir au pigeon ici. Oh, elle était belle celle-là. Elle était pas mal du tout, même. Bonjour, monsieur squelette. Vous êtes pas beau. Encore du 2 pour 1. Excellent. Attention. Coucou. Ici, vous pouvez bien les enchaîner en faisant des beaux 2, 3, voire 4 pour 1. Ce qui est un peu plus rare, mais
C'est vraiment très plaisant parce qu'ils se mettent bien en ligne. Comme c'est un long couloir, une longue tranchée, c'est assez chouette. Ah, celle-là va encore arriver dans une tête, j'ai l'impression. Eh ben ouais. Ah, j'ai vu un kamikaze. Un kamikaze qui arrive là. De toute façon, on l'entend à son grand cri qui pousse. Vas-y, dégage. Je crois que je l'ai touché lui, pas son pote à côté. Voilà. Baisse le bras, Coco. Nickel. Alors toi, arrête de te baisser, toi, tu m'énerves. Voilà. Je vais pas faire chier Bibi. 3 pour 1, excellent. 2 pour 1 encore. Voyons, on peut les enchaîner assez facilement là. Ils sont alignés. Hop là, les dégage. Au suivant. Qui en veut, qui en veut. C'est gratuit, c'est la maison qui offre. Voilà. Toi. Ah, j'adore aussi quand leur casque qui s'envole. Là, c'est trop bon. Même quand il y a l'éclair, hein, ils n'étaient pas attirés. Il y a de fortes chances que vous les touchiez. Et je crois qu'il y a deux vagues qui arrivent dans cette longue tranchée. Des grenades, j'ai fait le plein. Voilà. Allez, dégage ça. Mais je vise tout le temps les hauts de crâne, moi. Soit les hauts de crâne, soit les mentons. Bon, oula. Oula. Voilà. Je disais bien. Deuxième vague. Ouais, toi d'abord. Je t'ai vu venir. Je t'ai entendu, Coco. Voilà, tu restes tranquille avec ta torche. Au moins, ça fait le ménage. Allez, on continue de se tirer un peu les têtes. Ah non, même pas la tête là. Je croyais. Hop, vous voyez, même si elle éclaire, si vous voyez plus rien, n'hésitez pas, tirez. Je suis pas arrivé jusqu'ici, donc en mode sniper élite, ça doit être pas mal non plus. Il doit y avoir encore beaucoup plus de zombies. Et franchement là, le cimetière, ça avait l'air assez simple peut-être quand je l'ai fait pour certaines personnes. Mais franchement, il est assez chaud en difficulté max. Allez, dégage toi. Putain, il y en a encore qui arrivent, hein. Ça va pas s'arrêter. J'ai niqué la moitié de mes munitions. Au moins, je peux faire le plein parce qu'il y a des munitions juste à côté. Dans ta face. Et voilà, vous voyez, je voyais rien, mais celle-là... Ça va être pas mal non plus. Ah bah voilà. Et 2-2. Ah, peut-être le troisième là. Ou bien c'est sur un cadavre. Ouais. C'était sur un cadavre déjà. Et 2-2. Et 2-3. Excellent. Dommage, j'aurais pu faire 4-5. Putain, même 6. J'avais des balles super perforantes. Allez toi. Ouh. Le bout de ton crâne là. Bon, vous êtes encore beaucoup les mecs. 4 pour 1. Voilà, elle était pas mal non plus celle-là. Hop. Allez, j'aimerais bien passer à la suite. Bon. Ça doit être la fin là. Il y a un ressuscité, non? Ouais. Ouh, je pensais pas t'avoir touché. Mais tu te l'es pris. C'est bien. Oh, et puis voilà. Le petit dernier. Enfin, je pense. Vas-y, dégage. Ah bah non, putain, il y en a encore tout au fond. Ah. J'espère qu'après lui, celui qui est derrière, c'est bon. Voilà. Dernier killcam.
Alors ici vous êtes servi hein, pour les killcam. Bon, je vais faire le plein. Hop. Je prends que le sniper, j'ai utilisé que... Bonjour. Je t'ai entendu. Voilà, reste tranquille avec ta torche de merde. Là encore ou quoi? Ça a l'air d'être bon. Allez, on y va. Il n'y a plus personne là-dedans. Je me méfie quand même. Oula, d'accord, maintenant c'est les squelettes. Salut. Toi là-bas. Nickel. Allez, retourne dans ton monde. Oula. Où est-ce qu'ils sont? Ok. Bon, juste des petits bruits. Pour dire on est là mais on n'est pas là. Merci, c'est pas du tout flippant. Personne dans ce coin là? Non. Allez, on y va. Bonjour. Salut. Ah, je l'ai pas eu. Je sais pas si. Vous voyez, il y a des mecs avec des torches qui apparaissent comme ça. On doit sûrement avoir un succès ou quelque chose. Si on arrive à les tuer avant qu'ils explosent. Pour l'instant, j'ai jamais réussi. Il y a quoi? Il y a un truc là? Utiliser. Ah, ok. Ouais, super. Je suis monté sur des caisses. Voilà. Ah, nickel. Le point de contrôle. J'entends tout le temps. Peut-être qu'on pourrait en tuer de loin ici. Il n'y a personne. Bon, allez, on y va, on avance. Ah, voilà. On va arriver au niveau du train, donc ça va être la fin. J'ai le plan tout. Dans ça, voilà. Les 8 dernières balles. Et on y va, c'est parti. Allez. Tintin, la gare. Alors... Personne là. Non. Ah si, bonjour monsieur. Alors ils vont arriver par la mer. Je vais mettre des mines un peu partout. D'accord. Bon. Je vois pas s'il y en a un. Je vais mettre une mine là aussi. Une dynamite, une dynamite. Hop, des mines. Je vais en mettre là. Ah, ça va arriver des deux côtés. C'est franchement super chaud. J'ose même pas imaginer ici en Sniper Elite. Ils vont arriver aussi par en bas. Je suis jamais descendu là, tiens. Il est où? Il est où ce con? D'accord, c'est qu'ils arrivent par la mer aussi là. Bon, tant pis, hein. Ils viendront quand ils viendront. Et puis basta. Alors, nous on doit aller là-bas. Mais il y en a un là-bas. Je t'ai vu toi, hein, Coco. Bonjour. Hop. Voilà. Dégage. Personne d'autre. On va activer la radio avec le mec qui est mort avec un crayon enfoncé dans l'oreille. Si c'est pas magnifique. Allez, fonce, 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 fonce. Fonce mon tick time. Alors, première vague. Ils vont arriver juste ici, vous voyez, par la mer. Je vous conseille de vous mettre là où je suis. C'est la meilleure position pour tous les aligner. Et non pas vous planquer dans la maison où vous risquez d'être submergé de tous les côtés. Hop. Allez, dégage. J'ai pas envie que vous montiez. Je vais vite être submergé aussi. Voilà, je sais pas ce que j'ai, mais je tire beaucoup moins bien. Oh putain, d'où tu sors toi? T'es bien mort, ouais. Bonjour. Et toi, dégage. Merci. Ouh, d'où tu sors toi par contre? Voilà, barre-toi. Et il aurait pu faire exploser la mine. Ouais, ils arrivent là-bas. Bonjour. Mon petit monsieur. Alors le premier kill cam pardon par là. Vous voyez, ils sont beaucoup là-bas au fond.
Je cherche normalement. Je croyais qu'il y avait une petite dynamite ou quelque chose là-bas. Un baril d'essence. J'ai dû rêver. Allez, dégagez. Vous approchez pas. Ah, voilà. Putain, j'en ai tué qu'un avec ma mine. Toi, c'est fait. Ensuite. Hop, et 2-2. Un petit troisième. Ah non, dommage. Je vous conseille aussi d'utiliser toutes vos balles hein, dans vos chargeurs pour ne pas perdre du temps inutilement et recharger. Je sais que c'est dur, si, surtout pour les joueurs de Call of. S'il vous reste 5-6 balles, même 2-3, utilisez-les jusqu'au bout afin de recharger. Ça vous fait gagner beaucoup de temps, même si vous n'en avez pas l'impression. Toi, dégage. Dégage. Bon, ils n'arrivent plus par l'eau à côté de moi. C'est... Enfin, je vais dire tant mieux, hein, mais c'est assez louche. En même temps, c'est la première fois que je le fais en moyen. Donc c'est peut-être normal. Il y aura un peu moins de zombies. Bonjour. Reste à terre. Et mais... Je viens de voir qu'il y en a un juste au-dessus de moi, sur la gauche. Ça devait être lui qui criait au début. Je vais me le faire quand même, lui. Bonjour. Ouf, il a bien volé, c'était trop bon, point de contrôle. Oh putain. Bon, petite grenade. 5 pour 1, c'est bon, je les ai tous suivis. Voilà, maintenant ça vient de par là. Ah voilà, il y a un gros. Voyez lui, ils sont assez chauds à tuer. Faut vraiment leur viser dans la tête en plus. Putain, ça va arriver derrière aussi là. J'aurais dû poser une dynamite, quelque chose là-bas. En difficulté élevée, je crois qu'il y a des mecs avec des torches aussi qui arrivent. Là, apparemment, il n'y en a pas. Tant mieux. Bon, par contre, il faut que je fasse un peu le ménage là-bas au fond. Allez, dégage. Je veux pas crever, ce con. Oh, putain! Recharge, recharge, recharge. J'ai pas envie de mourir. J'ai dit que je ne mourrais pas. Oh putain, je me fais allumer par le gros qui arrive là. Il a une sulfateuse lui. Dégage, dégage. Putain, petite grenade là. Ah, il arrive déjà là. Merde, bordel. Hop, derrière le poteau. Vite, 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 pour X-Time. On va monter en haut. Là, vous avez des mules sur le côté là si vous voulez, si jamais vous êtes à court. Je vais pas faire le plein. Merde, il est où? Je croyais qu'il était à côté du truc d'essence, je l'aurais pété. Bon, si, je vais faire quand même. Enfin, j'avais pas vu qu'il me restait que cette balle de sniper, ça pue du cul. Crève. Il y en a pas qui arrive derrière moi, non. Pour l'instant ça va. Oh putain, le gros il est déjà là. D'accord. Merde. Pas une grenade pour rien. Oh putain, c'est pas vrai qu'elle a ricoché aussi. Bon. Ok, il y en a qui arrivent par ici aussi. Là en dessous, au-dessus. Putain. Vas-y, dégage toi. Bonjour. Je suis... Oh putain, il m'a fait peur ce con. Ta maman, allez vite, il y a le gros qui arrive derrière moi. Voilà, vraiment faire du kiting avec. Hein. Voilà, je vais me positionner dans le fond ici. Et il n'y a plus qu'à faire du tir au pigeon. Voilà, toi tu crèves. Comme ça, on va se faire le gros de loin. Je crois qu'il y en a deux. Il y en a un qui arrive devant, un qui arrive derrière en difficulté max. D'où vraiment cette difficulté vachement compliquée. Franchement bravo à celui qui le fait du premier coup sans crever. Ah, il est là-bas.
Tiens, on va tuer le petit qui est à côté. Voilà. Et maintenant, elle nous dégage. Crève. T'as mal, hein. Ça fait mal des petites balles dans la tête, hein. Putain, je sais pas combien de chargeurs il lui faut à ce con. Il veut pas crever, hein. Pourtant, j'en ai mis pas mal déjà. Voilà, toi, on n'en parle plus. Alors. Crève, bordel. Si je nique l'essence, là, ça me fait pas mal à côté. Non. Bon. Je vais me mettre plus loin parce que même d'ici, il m'allume à la sec. Ça suffit la thèse à la con. Allez. Voilà. Ouh, t'as perdu la tête, hein. Bon. Apparemment, il y a encore quelques zombies. Vu que c'est pas fini. Derrière moi, c'est bon. Toi, t'es le dernier ou pas? T'étais le dernier. Bon, c'est parfait. Alors, on va se mater la petite cinématique de fin. J'espère que ça vous a plu, que mon gameplay vous a plu un petit peu aussi. Et je vous ferai la suite très prochainement. Et voilà. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. If there is a beacon of hope amid the